B2B Cambodia, the portal for business news in Cambodia. Raffles Hotel Le Royal has invited French chef Stéphane Cahad of the two Michelin-star restaurant Les Skiff Club for a series of exclusive meals from May 29th to 31st. We had a chance to speak with the French chef about his visit to Cambodia. En fait, Euh, c'est une histoire d'amitié puisque je connais euh, Martin Beccar, le chef depuis très très longtemps. Thomas je l'ai rencontré ici il y a 12 ans déjà déjà au Cambodge. C'est une histoire d'amitié puis euh, moi j'ai passé presque trois semaines l'année fois il y a 12 ans au Cambodge. J'ai très j'étais bien accueilli, euh, on y mange très bien. Euh, j'ai des souvenirs incroyables au, au Cambodge donc ça me tenait à cœur de revenir euh, ici et puis retrouver mes amis bien sûr. Bon, je vais faire comme d'habitude, ça veut dire que étoile, pas étoile, euh, luxe, pas luxe, le tout c'est d'offrir vraiment la qualité aux, aux clients et surtout la gourmandise et régaler les clients, donc ça c'est de la générosité, du partage et surtout faire au bon et que les clients se, se régalent et même ici au Raffles au, au Cambodge. Mais Là je viens d'arriver, mais mais euh, il y a 12 ans j'avais j'avais très très bien mangé, j'avais découvert beaucoup de choses dans les marchés, surtout j'adore les marchés. Donc là bien sûr je vais aller au marché euh, ici à Phnom Penh, mais si je peux, normalement samedi je vais aller à Kampot, euh, découvrir les exploitations de, de poivre, donc euh, ça c'est l'objectif. Et à chaque fois, à chaque voyage, que ce soit partout, mais euh, notamment au Cambodge, on ramène une petite idée, on ramène un produit, et euh, voilà ça donne de la fraîcheur, ça donne aussi des rencontres euh, normalement incroyables. Alors, je viens d'arriver, hein, mais euh, je sais qu'il y a des bons notables ici, on y mange très bien, il y a des beaux produits, que ce soit dans le local aussi, parce qu'on peut faire aussi des étoiles Michelin dans un restaurant euh, vraiment gem mais aussi, aussi peut-être européen. Euh, moi, j'ai un souvenir d'un restaurant à Simrep, euh, il y a 12 ans, où c'était quand même assez incroyable, où c'était déjà à valeur étoile Michelin, une voire deux étoiles. Euh, C'était incroyable. Et donc, euh, ben c'est juste Michelin. <laughs> il faut faire la pression à Michelin parce qu'ils n'ont pas ouvert la destination encore. Mais il y a des restaurants qui méritent. Et donc, s'ils si ouvrent, vous verrez, verrez qu'il y aura des, des, des restaurants qui vont être euh, distingués. Étoile Michelin, c'est sûr. Alors, je ne sais pas s'il si existe toujours ce, ce, ce restaurant à C'était un souvenir incroyable. Donc, euh, il faut qu'ils ouvrent juste la destination. Et puis, et puis, ça va aller comme les autres, comme les autres pays, comme la Thaïlande. Comme, euh, voilà, et ça va il va, il va. il va y avoir des étoiles Michelin. Bon, le message, il est simple, c'est dur c'est de penser aux gens c'est de penser aux clients mais surtout peut-être de, de de voyager hein. euh, eux aussi peut-être que les chefs euh, cambodgiens doivent voyager venir peut-être en France peut-être en Angleterre on fait de la cuisine et aller voyager un petit peu peut-être qu'ils le font pas euh, après je sais pas au niveau des écoles ce qui se passe ici si je crois que oui il y a des écoles euh, je pense que c'est du voyage de la passion euh, vouloir faire bien mais euh, de, de, de toute façon moi je euh, encore je parle de la cuisine locale mais euh, j'ai des souvenirs assez incroyables sur cette cuisine -là donc euh, pas se défausser non plus euh, pas faire n'importe quoi accuser une fusion euh, faire aussi euh, les traditions c'est important euh, mais le tout c'est avoir l'esprit de vouloir faire bien bon et généreux pour, pour les convives quoi.